Ils veulent éliminer tous les témoins gênants? Maître, j'ai instruit cette affaire et je n'ai pas besoin de vos conseils. Ils ont appris que j'avais des révélations importantes à vous faire. Et en venant ici, une voiture a essayé de m'écraser. Tu es tombé. Et tu t'es cogné contre le trottoir. Mais non! On m'a frappé! J'avais rendez-vous avec le juge parce que j'ai la preuve de l'assassinat du député. L'accident. Vous pensez une tentative d'assassinat? Qui êtes-vous? J'étais à la manifestation, j'ai tout vu. J'ai même des photos. Merde, c'est pas lui! Je t'avais bien dit que c'était pas lui! Plus de photos. Plus de photos. Il paraît qu'on veut assassiner le docteur. Et alors, c'est pas la première fois, non? De toute façon, chacun de nous a pris ses risques. Pourquoi les idées que nous défendons provoquent-elles une telle violence? Où la puissance explosive des bombes atomiques stockées correspond à une tonne de dynamite par habitant. Attention! Un accident de la circulation, un accident stupide. Vous l'avez bel et bien sur les bras, cet assassinat. Vous vous égarez, mon ami. La police a déjà des preuves que c'est un accident. Le coup mortel est celui reçu sur le crâne. Et il n'a pu être donné que par un instrument du genre matraque. Quoi, un coup de matraque? Mais donc, où se mêlent-ils, ces médecins? Vous allez nous foutre dans un... Vous êtes le seul maître à bord avec votre conscience. Et après Dieu. C'est tout à fait par hasard, bien sûr, que vous vous trouviez sur les lieux de l'assassinat. Vous avez dit assassinat. J'écris assassinat, monsieur le juge. Ils le savent déjà. Bien sûr, madame. Et ça ne fait que commencer.